Qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-moi ça tranquille! Usurpateur, voleur de propriété, vous n'avez pas le droit! Et vous allez bientôt tout perdre. Le juge a accepté de me remettre en liberté, à condition que nous quittions cette maison. Je pars en Australie. Hier, t'as dit que tu restais pour aider Alice avec ses problèmes de famille. De toute façon, je pars avec lui. Alex, j'ai un problème avec mon frère, j'ai peur qu'il fasse une énorme connerie, là. Je suis désolée. Je vais venir te rejoindre, d'accord? Je fais attention. Tout va très bien se passer. Il a besoin d'être utile. L'amour lui suffit plus. Alice, aide-moi. Alice! 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 L'amour ne suffit pas. Alice, ça va aller. Je dois les protéger, Alex. Qu'est-ce que tu fous? Je vais le rejoindre. C'est pas possible, tu peux pas abandonner maintenant. Si près du but. Je sais, mais je sais pas, je sens pas, là, tu comprends? J'ai... Il est parti, il est tout seul, il partit se battre contre ce chasseur de baleines. Je connais pas, moi, ce mec. Il a besoin de moi. Non mais attends, écoute-moi. Alice. Alice. Quoi? Quoi? Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai choisi Alex plutôt que ma famille. Tu crois vraiment que j'ai envie de discuter là? Ok. Laisse-moi t'accompagner à l'aéroport alors. Je te parle. Ça va pas durer longtemps. Viens. À quoi tu joues? Je veux que tu vois tout ça avant de partir. Ça va servir à quoi? Pour être sûr que tu regretteras pas. Ça suffit. Ça m'amuse pas. Maintenant, t'es obligé de me suivre.
Il est scellé ? On s'en fout. Pas les marques de ton enfance, ça. Je comprends pas comment tu peux laisser tout ça à Guilou. À ce voleur qui se fait passer pour l'héritier de ton grand-père. Sans te battre. Je piche pas. Mais tu me parles de quoi, là? Si, je me bats. Je fais que ça. Je me suis toujours battue pour ma famille. Juste que là, il y a un moment où je suis fatiguée, tu vois, j'ai l'impression que je me bats toute seule. C'est usant. Si seulement Alex, il était là. Regarde. Regarde tout ça. Si tu pars, tu fuis. Et t'abandonnes ta famille. Et ça, tu vas le regretter à vie. Il faut trouver la pierre d'adoption pour prouver que ton père est un vrai Watson. Comme ça, il va continuer à siéger au Grand Conseil Coutumier. En trouvant cette pierre, on sauve ta famille et ma tribu. Sinon, je pourrais plus y retourner. Et je vais devoir lâcher mes chevaux. Je vais tout perdre. Le Grand Conseil, il est dans 2 jours. Alice. Juste 2 jours. Ça vaut le coup de rester 2 jours, non? Il me la trouve comment, cette pierre? Ben, j'ai bien une idée. Faut retrouver la femme qui a mené la cérémonie de mon adoption à la tribu. Par contre, elle est un peu spéciale. Tu vas où? Stéphanie? T'as pas à venir dans mon lit comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas parce qu'on a couché ensemble une fois hier que ça va se reproduire et que ça veut dire quelque chose. On sort pas ensemble. C'est parce que j'ai pas assuré hier. Oh, t'es grave, on n'est pas ensemble et c'est tout. En bas. Bah, me regarde pas comme ça, je suis pas aussi repoussant que ça. Hein. Salut. C'est qui? Bon allez, j'appelle les flics, moi. En fait, je vous l'ai pas dit, mais avant de partir en vacances, j'ai perdu mes clés et mon portefeuille. Et on a retrouvé les clés. Et quand on est venu ici pour vous les rendre, il y avait une bande de squatteurs. Des mecs louches, vraiment bizarres. On les a chassés et comme on a perdu notre logement, on a décidé de rester.
en attendant votre retour. T'as mangé un clown ? C'est énorme. Elle est certainement vraie, son histoire. On peut peut-être les loger encore une nuit ? Oui, mais dans le jardin. Et puis demain, ils dégagent. Ces deux poufias, là, tu vas me les virer. On va reprendre là où on s'est arrêté. Et t'as intérêt à assurer. Pourquoi tu viens pas me voir plus souvent, là ? J'avais quelques affaires à régler, à la tribu. Et t'es devenu un beau jeune homme ? Hé, hey, ça c'est ta jolie fiancée. C'est pas ma copine. Mais c'est dommage, hein ? Elle va pas bien. Ah oui, ça va même très mal, hein, pour ta chérie. Elle est floue. Floue ? Ah oui, floue. T'es en train de perdre ton identité, là. Puis, faut faire gaffe, hein. Faut agir vite. Parce que sinon, tu vas disparaître. Tu dois absolument aider ta fiancée. Tout ce que je veux, c'est trouver la pierre d'adoption de ma famille. La famille Watson. Donc, si tu peux m'aider, dis-le-moi. Donne ta main. Les pierres d'adoption, elles sont toutes dans l'arbre percé. À côté de la forêt sans avenir. Merci pour tout. Merci. Hé, hey, tu sais, hein? La vie est parfois injuste. Alex ? Tu voulais me voir ?
Qu'est-ce que tu as à me dire? Que tu me quittes, c'est ça? Maintenant que j'ai plus rien? Maintenant que je suis plus rien? Plus de maison, plus de fric, plus de ranch, plus rien. Allez, vas-y, dis-le. Et dis-le que tu me quittes, vas-y. Dis-le, allez, vas-y, dis-le que tu me quittes. Tu es le meilleur des pères. Et t'es le meilleur des maris. Et ce soir, je vais dormir avec toi. Monsieur Lagrange, vous pensez être au-dessus des lois? Non seulement vous avez réouvert votre restaurant, mais vous n'avez toujours pas réglé l'amende. Regardez autour de vous. Le resto, il cartonne. La bouffe, elle est super fraîche. Le service, il est nickel. Vous pouvez rien me reprocher, là. Mais peu importe, c'est la loi. Le restaurant doit fermer immédiatement. C'est un truc de ouf, ça. Il fait chaud ici. Monsieur l'inspecteur appréciera sûrement un petit rafraîchissement. Ça vous fera du bien. Mais c'est quoi ce cirque qu'elle me fait? C'est ma petite sœur. Votre petite sœur, dans cette tenue? Elle est majeure au moins? Ah, bien sûr qu'elle est majeure. Vas-y, dégage. Écoutez, laissez-moi un peu de temps et je paierai cash l'amende. Non seulement vous la réglerez, cette amende, mais avec une sacrée majoration. Je reviendrai plus tard dans la journée. Et à mon retour, je vais voir votre restaurant fermé. Monsieur Lagrange? C'est pas une dent qu'il a contre moi, c'est carrément un dentier, lui. Ça va, Léo? Pour une fois que quelque chose marchait dans ma vie. Ça va, t'en ouvriras un ailleurs de resto. Non. Une chance comme ça, ça se reproduit pas deux fois. Ça, c'est vrai. C'est pas le genre d'occasion qu'on laisse passer. Vous êtes pas le bienvenu ici. Ah ben, c'est dommage. D'autant plus que j'étais venu vous proposer mon aide. Je comprends pas. Ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce que vous diriez si je payais l'amende que vous devez aux affaires sanitaires? Et si je vous embauchais comme gérant? Vous auriez juste à m'informer sur les faits et gestes d'Alice. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, t'es devenu fou, Guilou. Hein. Mm-hmm. Mais moi, je trahis pas mes amis, ok? Waouh! Quelle énergie, quelle violence, mon Dieu! Vous croyez vous arranger votre cas comme ça? Parce que votre loyauté envers Alice, est-ce que ça justifie que vous restiez un loser tout le restant de votre vie? Parce que pour l'instant, Beaubrun, c'est exactement ce que vous êtes. Lola, tu peux nous laisser un peu? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. En fait, depuis hier, j'essaie de te joindre, mais ça marchait pas. Je voulais être sûre que tout se passait bien, en fait. Écoute, tout va très bien, je viens de rejoindre le groupe d'activistes. C'est les Fight Force aussi. Ils sont super, ils mènent le même combat que moi. C'est génial. Tu me manques tellement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça s'active un peu derrière, là, il bouge. Il va falloir que je te laisse. Ok, ouais. Il faut que j'aille bosser pour nos futurs enfants. Bah, tu fais attention à toi, hein. Oui.
Willis, fais attention. Non, mais tu me le promets. Et oui, je te le promets. Je suis venu te chercher à l'autre bout du monde. Tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça? Bon. Je t'aime. Chaque seconde de ma vie, je pense à toi. Moi aussi. A besoin de moi. Je suis au grand conseil coutumier avec lui. Ça va être terrible. Mais au moins, je serai avec lui. Ouais, c'est une bonne chose. Faut qu'on y aille. Petit village en tout cas. Arrête cette caisse. Arrête la caisse là. Arrête la caisse, Soleil. Prophecy. Is Alex's destiny.